Chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je salue à nouveau certains que j'ai déjà pu rencontrer samedi dernier à la fête du 50e anniversaire du CCFD ou que j'ai rencontré à d'autres occasions dans le Haut-Rhin. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cette supplique de saint Paul aux chrétiens de Corinthe résonne toujours avec force à nos oreilles, comme un appel à revenir vers Dieu qui ne cesse de nous aimer et vers nos semblables à qui nous lie un même commandement d'amour. La réconciliation, que serions-nous sans elle? Que serait notre Europe sans le victorieux combat des artisans de paix, sans l'intelligence des grands dirigeants et d'humbles citoyens qui ont permis le rapprochement et la réconciliation des peuples après la Deuxième Guerre mondiale? Oui, que serions-nous en Europe et tout spécialement en Alsace sans l'exemplaire réconciliation franco-allemande? Dans ce long processus d'apaisement, de dialogue et de pardon, les chrétiens jouèrent un rôle déterminant en cohérence avec leur foi. Que d'efforts humains portés par une tenace espérance, mais aussi que de grâces divines. L'accolade que se donnent les deux riverains de bronze du jardin des deux rives, près de la célèbre passerelle qui enjambe le Rhin entre Strasbourg et Kehl, cette accolade est la symbolique illustration de cet heureux aboutissement. Cette réconciliation d'hier ne saurait pourtant nous faire oublier toutes les réconciliations en attente pour aujourd'hui, alors que les pays des Balkans sont en train de cicatriser leurs plaies. Le Proche-Orient n'est toujours pas en paix. Nos voisins de la Méditerranée sont actuellement en quête de justice et de démocratie, tandis que plus au sud, nombre de pays africains connaissent instabilités internes et conflits internationaux et interethniques. Et c'est la raison pour laquelle le pape Benoît XVI appela en 2009 l'Église Famille de Dieu à être en Afrique promotrice de réconciliation, de justice et de paix dans la région. Et c'est dans le même esprit que le Saint-Père convoqua en 2010 le synode pour le Moyen-Orient, soucieux tout à la fois de l'avenir des chrétiens et du dialogue interreligieux et de la paix. Réconciliation entre les peuples, dialogue entre les religions, fraternisation entre les hommes, réconciliation au cœur de chacun et tout d'abord réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. C'est donc un immense chantier qui nous attend. Loin de nous, proche de nous, au plus intime de nous-mêmes, résonne cet appel à la réconciliation. Catholiques d'Alsace, nous ne saurions y être insensibles, nous qui avons connu tant de douloureuses tensions et de conflits meurtriers tout au long de notre histoire, et qui avons dû si souvent apaiser, négocier, pardonner, reconstruire. Nous y sommes spécialement attentifs en ces 40 jours de conversion spirituelle qui nous préparent à Pâques. D'autant plus que nous sommes entrés, comme on vient de le rappeler, dans cette troisième année pastorale autour de la parole de Dieu, parole non seulement à annoncer et à célébrer, mais aussi parole à vivre, à mettre en pratique. Que serait donc une si importante démarche religieuse de réconciliation si elle se cantonnait à des vœux sans passer à des actes? La parole de Dieu est parole agissante. Dieu dit et fait en une existentielle cohérence.
Il revient donc à l'homme d'être et de faire de même en semblable cohérence. Quand donc, dit Jésus, tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. La réflexion, chers frères et sœurs, que je vous propose ce soir procédera en 5 étapes. Je vous les annonce. Tout d'abord, notre besoin vital de réconciliation. Deuxièmement, la difficile pratique de cette réconciliation en Église, la difficulté du sacrement. Troisièmement, on ira jusqu'à Dieu pour nous rappeler qu'il est la source de la miséricorde. Quatrièmement, on rappellera la mission de miséricorde de l'Église. Et enfin, nous terminerons par nos orientations diocésaines pour le sacrement de la réconciliation. Alors venons tout d'abord à notre besoin vital, personnel et communautaire, de réconciliation. Alors de tout temps, nous le savons bien, l'homme a souffert de conflits, de divisions et de contradictions. C'est ce que le Concile Vatican II rappelait dans Gaudium et Spes. Les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. C'est de l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Pire, faible pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. Souvenez-vous, c'est la confession de Paul aux Romains. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre division, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes épreuves et discordes. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude de miséricorde est vraiment actuelle en ces jours de carême, où, dans une démarche de conversion, nous nous décentrons de nous pour nous recentrer sur Dieu, riche en miséricorde. Alors que nous sommes si souvent prisonniers de nos contradictions, de nos souffrances et de nos rancœurs et de nos violences cachées, ne sachant pas comment les surmonter pour retrouver un peu de paix et d'amitié vraie dans notre vie, cette béatitude résonne à nos oreilles comme un message libérateur, comme une voie simple et logique, mais si méconnue et si peu empruntée, la seule voie pourtant qui nous réconcilie avec Dieu, avec les autres comme avec nous-mêmes. Le seul moyen qui nous fasse retrouver le bonheur, bonheur d'être aimé et d'aimer, et d'abord bonheur d'être pardonné et de pardonner à cause de Dieu riche en miséricorde. Oui, Dieu qui est riche en miséricorde, dit l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer, dans les siècles à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Venons-en deuxièmement aux difficultés de notre pratique de la réconciliation.
Comment se fait-il que ce message central de notre christianisme, l'appel à la réconciliation, le don de la miséricorde de Dieu à notre humanité, la surabondance de sa grâce, la joie qui résulte de son pardon, comment se fait-il donc qu'un tel message soit si peu entendu ou si mal compris par les chrétiens que nous sommes ? Quelles sont donc les difficultés actuelles que nous rencontrons dans nos démarches de pardon et de réconciliation ? Ces difficultés pourraient se résumer en 5 objections de notre vie quotidienne. Je les résume en 5 phrases. J'ai trop souffert pour pouvoir pardonner. Ma culpabilité me paralyse. La confession ne m'a pas laissé de bons souvenirs. Ou bien pardonner, je n'y crois pas. Ou enfin, j'ai beau faire, rien ne change. Frères et sœurs, vous reconnaissez-vous dans une ou plusieurs de ces phrases? Prêtons-y attention et espérons qu'en nommant et analysant ces réactions, nous pourrons mieux les surmonter. Tout d'abord, j'ai trop souffert pour pouvoir pardonner. C'est une phrase plus fréquente qu'on pourrait le penser et que nous sommes amenés à entendre. En effet, il y a la difficulté à envisager le pardon alors que nous nous sommes sentis blessés, trahis, abandonnés, spoliés. Les causes de nos blessures et de nos amertumes sont si nombreuses. Comment pourrions-nous faire preuve de douceur et de pardon ? Quand nous n'aurions ressenti dans notre existence que dureté et injustice. Toute réconciliation, toute démarche de pardon, supposant de revenir en pensée sur des épisodes douloureux et nécessitant presque toujours d'en parler à des tiers, voire de se confronter à ceux qui ont causé le mal, bien des victimes préfèrent se taire et garder enfoui en elles ce mal qui les a blessés et continue à les ronger. Le temps fera œuvre positive, pense-t-elle. Or, si le souvenir des événements douloureux s'estompe, ceux-ci restent en mémoire, enkystés comme un corps étranger à l'intérieur de soi, handicapant la victime dans son rapport confiant aux autres, comme à elle-même. Le temps ne peut faire œuvre positive que s'il permet au patient, c'est-à-dire à celui qui pâtit, qui souffre, que s'il permet au patient d'entrer en impatience de son mal, c'est-à-dire de vouloir vraiment sortir de la prison morale où il est et de crier comme le lépreux, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier » ou comme l'aveugle, « Seigneur, je t'en prie, fais que je vois. » Deuxième difficulté, ma culpabilité me paralyse. Cette difficulté vient du rapport difficile que nous entretenons avec la culpabilité. Ce sentiment se révèle plus complexe qu'il n'y paraît. En principe, chacun de nous revendique d'être autonome, libre, adulte. Adulte est donc responsable. Responsable, soit, mais coupable, c'est une autre affaire. La loi de Dieu, inscrite dans le cœur de chacun, cette loi nous oblige tout autant qu'elle nous sécurise en nous guidant et qu'elle nous libère. Elle questionne notre conscience en cas de manquement ou de faute. Se sentant coupable, la personne s'interroge alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle se fait des reproches, elle ressent la souffrance de ses limites et de ses infidélités. Se sentant mal, elle se corrige et veille à bien faire, à nouveau. Dans ces conditions, la culpabilité joue le rôle positif d'avertisseur et de correcteur et incite la personne morale à retrouver le bon chemin, celui de la fidélité à la loi de Dieu
celui du vrai bonheur. Oui, mais, en de nombreux autres cas, en particulier chez des personnes excessivement idéalistes ou craintives, les perfectionnistes par exemple, la culpabilité tend à envahir tout le champ de la conscience et à rendre ces personnes continuellement malheureuses et inhibées. Voulant bien faire, elles préfèrent ne rien faire de peur de s'y prendre mal. Ou bien, si elles font, elles refont sans cesse, sans jamais atteindre l'objectif idéalisé. Qu'elles fassent ou ne fassent pas, elles se sentent infirmes à vie, coupables. Elles peuvent même devenir aigries ou jalouses. Au lieu d'entrer dans la vie avec dynamisme et confiance, elles n'esquissent que quelques pas tant elles se sentent paralysées. Au premier faux pas, elles diront aussitôt « c'est de ma faute » avec une éternelle tristesse. Psychologues et théologiens chrétiens ne connaissent que trop ces mécanismes du dépit moral et du repli sur soi. Ce n'est pas sans raison que la théologienne protestante Lita Basset titra un de ses ouvrages « La culpabilité, paralysie du cœur ». Or, de nos paralysies et de nos aveuglements, le Christ est justement venu nous libérer. Paradoxalement, si la culpabilité bien assumée, trop rarement à mon avis, conduit le chrétien à entrer en démarche de réconciliation, en bien d'autres cas, hélas, cette culpabilité paralysante entrave la démarche de bien d'autres croyants qui, craignant souffrir davantage et ne pressentant pas la libération et la joie procurée par la réconciliation, préfèrent en déserter les chemins, dont ceux qu'offre notre Église. Troisième objection, la confession ne m'a pas laissé de bons souvenirs. Il y a une autre difficulté à entrer dans la démarche sacramentelle du pardon, proposée par l'Église, quand l'expérience de cette démarche n'a pas été bien vécue et a laissé les pratiquants dans la peur, l'insatisfaction et une culpabilité non dépassée. Cela concerne peut-être davantage ceux qui ont vécu la confession, comme on disait, avant le Concile, aux premières années de leur vie adulte, et qui en sont restés craintifs et gênés. Ils ne sont pas les seuls, loin de là. Combien de questions et de confidences ai-je entendues sur le sujet ? Les uns, comme on l'a vu, se sentent pris dans les filets d'une culpabilité diffuse et gênante. D'autres contestent une vision pessimiste de l'existence où le péché serait omniprésent. D'autres encore se disent bloqués par l'aveu à faire de surcroît auprès d'un autre pécheur, le prêtre, si vertueux soit-il. Toutes les paroisses n'ont pas un lieu d'accueil comme cette belle église avec son centre d'accueil et de réconciliation qui est en train de se faire. D'autres encore achoppent sur la réparation assumée et tous sans doute sur la faiblesse de leur foi. Foi envers l'exigeante mais si généreuse miséricorde divine. D'autres enfin s'estimant davantage le jouet des conditionnements de la société en viennent à refuser toute responsabilité personnelle. C'est pas ma faute, c'est celle de la société. Quatrième objection, je préfère en prendre le temps de tout ça parce que ça traînait tellement dans nos têtes, n'est-ce pas ? Vaut mieux qu'on y réfléchisse. Quatrième objection, ne rêvons pas le pardon, je n'y crois pas. La difficulté la plus fondamentale n'est-elle pas en définitive celle de la foi ? Le pardon est-il pensable ? Est-il vraiment possible ? S'interrogent toujours de nombreux chrétiens. Beaucoup confondent oubli et pardon.
Puisqu'on ne peut pas oublier, disent-ils, c'est qu'on ne peut pas pardonner. Il y a alors confusion entre le registre psychologique et le registre spirituel. Une telle méprise plus fréquente qu'on ne le croit n'est-elle pas le signe d'une résistance, d'une incrédulité de fond à l'égard du message central de notre christianisme? Par son Fils, Dieu le Père nous a rejoints, nous a aimés, sauvés, réconciliés en lui. Alors, ne croyant pas à la force du pardon, à la joie d'être sauvé, au bonheur d'être réconcilié, réunifié en Dieu et au meilleur d'eux-mêmes, certains chrétiens errent tristement, peut-être sans larmes, mais aussi sans joie, sans liberté et sans élan. Ils errent parce qu'ils n'osent plus croire au merveilleux don de l'amour gracieux de Dieu et qu'ils ne se risquent plus au chemin de Pâques, au passage de la mort à la vie. Ils ne s'exposent plus à la puissance libératrice de l'aveu de leurs erreurs et de leurs péchés, à l'accueil confiant de la miséricorde divine et à l'entrée dans une vie nouvelle, régénérée, sauvée. Venons-en à la dernière objection. J'ai beau faire, rien ne change. Oui, pensent certains, j'ai beau faire, et l'Église aura beau faire, rien ne changera vraiment. Ces propos fatigués ne sont-ils pas l'expression de la lassitude contemporaine face à notre pauvre et humaine condition, l'homme restant l'homme avec son poids de péché et ses rares lueurs de grâce? De guerre lasse, les chrétiens d'Occident en particulier, nous-mêmes, davantage séduits par l'efficacité d'une société technicienne que par les discrets et lents cheminements de la grâce dans le cœur des croyants, les chrétiens ont déserté les églises et le sacrement du pardon. Il y a 30 ans, devant des confessionnaux vides, un prédicateur, le père Brault, s'était même écrié « On demande des pécheurs ». La réforme liturgique, cependant, cette réforme post-conciliaire présenta heureusement le sacrement sous un nouveau jour, invitant les chrétiens à ne pas le réduire à sa seule partie la plus difficilement vécue, la confession, mais à le regarder comme le sacrement de la réconciliation. Le terme était relativement nouveau dans l'usage liturgique. Le sacrement de l'expérience positive, ecclésiale, c'est-à-dire communautaire et personnelle, du salut et de la joie pascale. Cette nouvelle pédagogie de la réconciliation n'a pas suffi. Les jeunes générations, plus réceptives au sacrement du pardon quand il est bien présenté, pensons au bon accueil, à son bon accueil lors des Pèlerins jeunes de Lourdes, j'en ai été témoin, admiratif. Ces jeunes générations sont hélas bien moins nombreuses que celles de leurs aînés, qui, elles, se montrent souvent plus réservées sur ce sacrement. Ce qui veut dire, en conclusion de ces 5 objections, que diverses sensibilités coexistent actuellement parmi nous. Quasi-abandon du sacrement de la réconciliation pour les uns, pratique confiante du sacrement pour quelques autres, et difficultés persistantes pour beaucoup d'autres encore, sincèrement désireux d'un signe de réconciliation, mais gênés par la démarche du dialogue personnalisé. Or, chers amis, ne trouvez-vous pas curieux ceci? Qu'en ces temps d'expression, voire de revendication individualiste, la requête de célébration pénitentielle soit si exclusivement communautaire et si peu individualisée. Il y a donc là une gêne des pratiquants à reconnaître et accompagnée par une aide appropriée. D'une part, par le maintien de célébrations communautaires, d'autre part, par l'offre toujours respectueuse de la démarche personnelle et aussi par l'éducation à la liberté et à la responsabilité de la conscience, avec le rappel
des diverses formes non sacramentelles de réconciliation, formes plus nombreuses qu'il n'y paraît et qui jalonnent la vie et la prière du chrétien. J'aurai l'occasion de les détailler plus loin. Au-delà de la seule difficulté de la juste culpabilité à assumer et de l'aveu responsable à faire, dans les cas graves, aveu à soi-même et à Dieu tout d'abord, avant qu'il ne soit fait solidairement à un membre de la communauté chrétienne, le chrétien est invité à mieux comprendre toute la logique positive de la miséricorde, le profond soulagement procuré par le pardon, la noblesse de la réparation, enfin la réelle liberté et la joie offerte à l'issue d'une démarche patiente et confiante. Dédramatisation, vigilance et patience sont donc à intégrer dans notre pastorale, riche de multiples expressions de la miséricorde divine. Arrivons maintenant devant Dieu pour bien comprendre à quel point il est riche en miséricorde. Conscient des difficultés de l'homme moderne et de la fréquente paralysie de nos vies chrétiennes, Jean-Paul II avait écrit en 1980 l'encyclique sur la miséricorde divine, Dives in Misericordia. 30 ans après, son message reste d'une grande actualité et mérite d'être relu et médité. Après avoir rappelé la nature miséricordieuse de Dieu, puis l'œuvre salvifique du Christ, Jean-Paul II interroge les signes d'inquiétude, l'immense remords, dit-il, des hommes confrontés aux injustices du monde contemporain. Tout naturellement, il rappelle et médite longuement la belle parabole de l'enfant prodigue, de ce fils qui est, dit-il, en un certain sens, l'homme de tous les temps, pécheur en rupture d'amour et qui, dans sa détresse, prend conscience de la dignité perdue qu'il a hâte de retrouver en retrouvant son père. La figure du père de famille, fait remarquer Jean-Paul II, nous révèle Dieu comme père, le père de l'enfant prodigue qui est fidèle à sa paternité, fidèle à l'amour dont il comblait son fils depuis toujours. Cette fidélité s'exprime par la promptitude de l'accueil et surtout bien davantage par cette joie, par cette fête si généreuse à l'égard du prodigue. Pris de pitié, le père se jette à son cou et l'embrasse tendrement. Les causes de cette émotion, de cette profonde affection doivent être recherchées profondément. Le père est conscient qu'un bien fondamental a été sauvé, l'humanité de son fils. Bien que celui-ci ait dilapidé l'héritage, son humanité est cependant sauve. Plus encore, elle était comme retrouvée. Les paroles que le père adresse au fils aîné nous le disent. « Il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » La miséricorde telle que le Christ l'a présentée dans la parole de l'enfant prodigue a la forme intérieure de l'amour qui, dans le Nouveau Testament, est appelé « agapé ». Cet amour est capable de se pencher sur chaque enfant prodigue, sur chaque misère humaine et surtout sur chaque misère morale, sur le péché. Lorsqu'il en est ainsi, celui qui est objet de la miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et revalorisé. Jean-Paul II en vient alors à placer l'annonce et la mise en œuvre de la miséricorde de Dieu dans la mission de l'Église. Et cela m'amène maintenant à la quatrième partie, eh bien, cette mission que nous avons à rendre aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui dans notre Église. L'Église estime à juste titre que son devoir, dit encore Jean-Paul II, que le but de sa mission consiste à assurer l'authenticité du pardon
aussi bien dans la vie et le comportement que dans l'éducation et la pastorale. L'Église professe la miséricorde divine de différentes manières. Elle ne peut oublier la prière, qui est un cri d'appel à la miséricorde de Dieu face aux multiples formes du mal qui pèsent sur l'humanité et la menace. L'homme contemporain sent ces menaces. Élevons donc nos supplications, dit-il, guidés par la foi, l'espérance et la charité que le Christ a implantées dans nos cœurs. Cette attitude est à la fois amour de Dieu et amour des hommes, de tous les hommes. Tel est l'amour, cette sollicitude empressée pour garantir à chacun tout bien authentique, pour éloigner de lui et conjurer toute espèce de mal. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Notre pastorale de la réconciliation doit donc tenir compte, dans les temps d'aujourd'hui, me semble-t-il, de trois convictions majeures. La double dimension communautaire et individuelle. La variété des formes de réconciliation dans l'Église, deuxième conviction. Et enfin, il n'y a pas de réconciliation ni de libération sans responsabilité personnelle. La quatrième condition, c'est que je prenne un verre d'eau pour continuer. Merci pour votre patience. Alors, premièrement, la réconciliation a une dimension communautaire tout autant qu'individuelle. C'est quand même un rappel très précieux de Vatican II. En 1978, un nouveau rituel du sacrement de la réconciliation était donné aux catholiques du pays, des pays de langue française. Il rappelait la dimension ecclésiale communautaire de toute réconciliation, chaque baptisé, chaque pécheur fait partie de l'Église, corps du Christ. Et donc, si un membre souffre, tous compatissent, et si un membre est dans la joie, tous se réjouissent avec lui. L'Église elle-même, appelée à être signe et artisan de réconciliation dans le monde, doit d'abord l'être en son sein, entre tous ses membres. Elle est à la fois, on le sait trop, sainte, heureusement, mais surtout pécheresse. Sancta et semper purificanda, disait le Concile, déjà sainte et toujours à purifier et à sanctifier. Cette dimension communautaire de la réconciliation va se manifester dans la liturgie qui propose non seulement la célébration individuelle, mais aussi des célébrations communautaires. Et trois formes vont être alors proposées. Célébration communautaire non sacramentelle, célébration communautaire avec absolution générale, célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle. Ces différentes célébrations ont été pratiquées en Alsace comme en d'autres diocèses des pays francophones. Mais en 2002, le pape Jean-Paul II a tenu à souligner le caractère très exceptionnel de l'absolution générale et a prié les diocèses qui la pratiquaient de réviser leurs pratiques. C'est la raison pour laquelle Mgr Doré prit en 2004 les orientations dont je vous parlerai plus loin. Deuxième conviction, la réconciliation se vit dans l'Église sous de multiples formes, sacramentelles ou non. Et c'est sans doute un aspect peu connu de notre tradition chrétienne. Il n'y a pas que le confessionnal, il y a bien d'autres formes. La miséricorde de Dieu ne s'exprime pas seulement à travers le seul sacrement, mais à l'occasion de tous les gestes et de toutes les prières de réconciliation vécues par les chrétiens. C'est ce que rappelle fort à propos le catéchisme de l'Église catholique. Je cite, un catéchisme que vous pouvez consulter. La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. Donc, rassurez-vous, le tout confessionnal n'est pas la fourche caudine dans laquelle, à travers laquelle chacun doit passer sans arrêt. L'Écriture et les Pères insistent surtout sur trois formes, le jeûne, la prière
et l'aumône, les trois œuvres du carême que nous sommes amenés à vivre aujourd'hui. Cela exprime la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Mais à côté de la purification radicale opérée par le baptême ou par le martyre, les pères de l'Église citent comme moyen d'obtenir le pardon des péchés les efforts pratiqués pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l'intercession des saints et la pratique de la charité qui couvre, dit l'Écriture, une multitude de péchés. La conversion se réalise dans la vie quotidienne par des gestes de réconciliation. Par quoi ? Par le souci des pauvres, l'exercice à la défense de la justice et du droit, par l'aveu de ses fautes à son frère, la correction fraternelle, la révision de vie, l'examen de conscience, la direction spirituelle, l'acceptation des souffrances, l'endurance de la persécution à cause de la justice. Prendre sa croix, conclut le catéchisme, chaque jour et suivre Jésus est le chemin le plus sûr de la pénitence. Et rien ne nous empêche, à la maison, quand nous rencontrerons quelqu'un avec qui nous avons du mal et à qui nous portons ce grief depuis des mois et parfois depuis des années, de pouvoir lui dire un jour, écoute, asseyons-nous. Il faut que je te dise ce que je n'arrive pas à dire depuis des mois et des années. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà. Une meilleure perception de la miséricorde de Dieu, si fréquemment accordée dans les diverses situations de notre vie chrétienne, devrait nous libérer vraiment de l'excès d'inquiétude et de culpabilité qui freinent notre élan vers Dieu et vers notre prochain. Certes, nous sommes pauvres et pécheurs, mais plus fondamentalement encore, nous sommes aimés de Dieu. Voilà pour la première conviction. Et la deuxième. J'en viens à la troisième, il n'y a pas de réconciliation sans responsabilité personnelle. Et là, je vous cite un dialogue que j'ai eu avec un aumônier de prison. Il me confiait « Dans ce monde difficile de la détention, tant de détenus mentent pour se protéger. C'est pourquoi chaque fois que c'est possible, je dis aux détenus en prison, « Toi qui as quasiment tout perdu ou presque tout perdu, ne perds pas en plus ce qui dépend de toi, une des rares choses qui te reste, ta dignité morale. Je t'en prie, ne te mens pas à toi-même. » C'est une sage remarque, me semble-t-il. Elle vaut pour chacun d'entre nous. Car paradoxalement, il importe à la dignité de l'homme de se reconnaître tel qu'il est, c'est-à-dire de se reconnaître limité et pécheur. Les évêques de France avaient osé le dire dans leur fameuse lettre aux catholiques, c'était il y a 15 ans, en 96. La reconnaissance par un être humain du mal qu'il accomplit fait partie de sa dignité et souligne sa responsabilité par rapport aux actes qu'il pose et qui peuvent blesser et même détruire les autres. Face à l'expérience du mal, la foi chrétienne inclut cet appel primordial à la liberté personnelle. D'autant plus que toute la pédagogie du Christ, tout au long de l'Évangile, commence par cette confiance primordiale dans la liberté des hommes et des femmes, pécheurs et blessés par le mal qu'ils rencontrent. S'il leur révèle leur état de pécheur, c'est à partir de cette confiance primordiale et avec le désir de libérer leur liberté captive en vue d'une vie nouvelle. L'expérience du péché aboutit alors à l'expérience de la conversion, comme pour la femme de Samarie ou pour le publicain Zachée. L'Église tout entière est appelée à pratiquer cette même pédagogie, grâce à laquelle l'aveu du péché aboutit à la délivrance d'hommes et de femmes qui peuvent témoigner du pardon de Dieu, communiquer personnellement Jésus-Christ. Alors que la culture dominante insiste sur le caractère inéluctable des conditionnements de la liberté, la foi chrétienne, et soyons-en fiers, la foi chrétienne affirme le pouvoir de la liberté elle-même,
si limité qu'il soit, pour faire la vérité et pour marcher dans la vérité. Une telle affirmation est aussi une manière de participer au combat pour la libération des hommes. Ma dernière partie, c'est pour aborder maintenant nos orientations diocésaines. Tenant compte à la fois de la tradition de l'Église, de l'apport de Vatican II, du catéchisme de l'Église catholique et du motu proprio de Jean-Paul II en 2002, Monseigneur Doré avait donné en février 2004 des orientations pour la pastorale du sacrement de la réconciliation. Et ces orientations sont toujours en vigueur. Pour toutes les raisons évoquées ce soir, je ne peux que confirmer ces orientations, comme je viens de le rappeler dans ma lettre de carême parue dans l'Église en Alsace de mars 2011. Ces orientations seront regroupées prochainement dans un ensemble plus vaste, orientation diocésaine pour la célébration des sacrements, qui seront données à notre rassemblement diocésain du 11 novembre prochain. Venons-en maintenant aux nouvelles dispositions de 2004. Il s'agit pour nous, à la fois, dit Joseph Doré, de ne pas perdre le bénéfice des acquis de Vatican II, tels qu'ils ont pu se vivre dans notre diocèse depuis plus de 30 ans, et de prendre en compte la situation nouvelle dans laquelle nous nous trouvons désormais. Deux choses essentielles. Tout d'abord, deux célébrations pénitentielles. Ensuite, ce sera deux nouvelles propositions pour la réconciliation personnelle. Tout d'abord, compte tenu de tout le positif que les célébrations communautaires ont manifestement apporté, je tiens à ce que soient maintenues les célébrations communautaires et je demande que partout où cela est possible, deux veillées pénitentielles soient proposées, l'un au temps de la Toussaint ou de l'Avent, l'autre pendant le carême, temps particulièrement approprié pour les exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, les pèlerinages en signe de pénitence, les privations volontaires comme le jeûne et l'aumône, comme le rappelait le catéchisme de l'Église catholique. Selon les normes formulées par le récent motu proprio quant aux absolutions collectives, celles-ci ne peuvent être données qu'en cas d'extrême urgence. Il est clairement précisé que cela ne s'applique pas aux circonstances habituelles de la vie pastorale. Aussi, ces veillées pénitentielles seront-elles conclues par une formule comme celle qui est utilisée au début de l'Eucharistie, « Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. » Il pourra assurément s'agir d'un pardon réel, source de grâce et de paix pour qui le vivra en vérité, à savoir dans le désir de s'ouvrir davantage à la grâce de Dieu, dans la reconnaissance et le regret de son péché, dans le souci du frère. On offrira aux participants qui le désirent la possibilité d'un aveu personnel et d'une absolution individuelle, soit au cours de la célébration elle-même, comme la tradition en existe dans notre diocèse, soit ultérieurement. Il importera de ne pas perdre de vue que c'est à chaque fidèle qu'il appartiendra de se décider en conscience face aux propositions qui lui sont ainsi faites. Deuxième proposition, deux nouvelles propositions pour la réconciliation personnelle sacramentelle cette fois. La pastorale du sacrement de réconciliation doit inviter à une démarche personnelle ritualisée selon le renouvellement proposé par Vatican II. Découvrir la bienveillance de Dieu et son péché personnel relève de l'affinement spirituel. Dans un monde où la responsabilité personnelle est brouillée et donc le sens de la faute diffus, il nous incombe dès lors de proposer de rendre effectivement possible à qui le souhaitera la rencontre avec un prêtre, l'aveu individuel et l'accueil personnel du pardon de Dieu.
Cela vaut en premier pour les péchés graves qui ont blessé le prochain, l'Église et Dieu, et pour lesquels chacun ne peut être seul juge de la réparation à assumer, surtout quand le tort fait est irréparable. Comme le rappelle le droit de l'Église, la confession individuelle et intégrale avec absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Dernière précision, la confession individuelle est aussi d'un grand secours pour être renouvelée dans sa vie personnelle et dans l'alliance d'amour avec Dieu. Elle est particulièrement adaptée au temps fort de la vie, avant un engagement important ou un sacrement qui fera référence, confirmation, mariage, onction des malades. Frères et sœurs, au terme de cette longue réflexion, vous ai-je permis de mieux mesurer la surabondance de l'amour de Dieu pour nous et la liberté et la paix que procure notre réconciliation avec lui? Je l'espère vraiment. Vous ai-je permis de retrouver le goût de cette réconciliation, non seulement avec Dieu et avec les autres, mais aussi avec vous-même, tâche difficile, avec votre histoire personnelle et votre vie en Église? Je l'espère aussi. La réconciliation, j'en suis certain, est l'œuvre de toute une vie. Le singulier destin des moines de Tibérine est dans toutes nos mémoires, à la suite du beau film « Des hommes et des dieux » et de l'heureuse rencontre de l'acteur et ami Michael Lonsdale. J'ai bien nommé Michael Lonsdale, il est maintenant bien nominé. Alors, laissons-nous à nouveau toucher par leur témoignage, à travers ces quelques lignes du testament du prieur Christian de Chergé. Ce sera la conclusion. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais le moment venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Frères et sœurs, le pardon est un chemin d'avenir.